Salut à tous, Asphax, on se retrouve sur le serveur héroïque et je suis avec Kizaïs qui est enfin niveau 50, mon Eneripsa, et on va faire les premières agressions, mes premières agressions sur le serveur héroïque. De tout le temps où j'ai fait du serveur héroïque, jamais je n'avais encore agressé quelqu'un. Je m'étais fait agresser, j'avais à chaque fois perdu. Là, cette fois-ci, je suis avec ma guilde, alors ils vont se connecter petit à petit. On est en tout 146, donc en fait on est quasiment plein puisque le maximum c'est 147. Et on a une alliance que j'ai créée moi-même, donc vraiment une petite alliance. Les tofu malotru avec une faute d'orthographe, j'ai oublié le S pendant le live. Et donc on est avec deux petites guildes qui nous aident un petit peu de temps en temps. Donc, en attendant que les gens se connectent, on va présenter la panoplie avec laquelle je vais aller agresser les gens. Elle vaut cher. Bon, après, j'ai plein de sous dans ma banque, donc si jamais je meurs, je pourrais me racheter une panoplie équivalente. C'est vraiment pas grave. J'ai une coiffe de bouffetou royale, 70 d'intelligence. Un simple bâton des rois, 40 d'intelligence, un petit peu de vitalité. Bloc panneau griotte. Cape de Slay, ça donne de la portée, c'est quand même pas mal. Un bouffetou niveau 36, on me l'a donné en live, ça c'était vraiment sympa. Amu Blob Griotte, Anneau Royal du Bouffetou, Blobte Griotte. Donc en tout, j'ai là le bonus de panoplie, hein, 50 de vita, 50 d'intel, 1 PA et des résistances. Et je ne résiste pas par contre au haut. Donc si jamais je vois que dans le combat il y a trop d'écaflip haut, j'enlèverai, je pense, la panoplie Blob. Enfin, je verrai. De toute façon, après, je vais être avec pas mal d'alliés, donc ça devrait aller. Et j'ai pris ce savant mineur et survivant mineur, 40 de vita. Donc en tout, j'ai quand même quasiment 400 d'intelligence, un petit peu de sagesse, pas mal de vita, 2 de portée, des invocations, ouais, pourquoi pas, et plus 3 dommages dans tous les éléments. Donc avec ça, on va tester les agressions. Alors voilà mon premier aggro, donc je suis avec tous ces gens-là sur TeamSpeak, mais vu qu'il y a pas mal de micros qui résonnent, je peux pas mettre trop le son. Alors notre premier aggro, ça va vraiment pas être très honorifique, hein, très glorieux, puisqu'on fait un 5 contre 1. Contre Exalto, niveau 65, cela dit, il a une caracoiffe, un petit chacha à prendre, une petite capot dindon, donc c'est quand même très très intéressant. Donc on va retrouver ça à la fin, quand on va avoir gagné l'invocation, enfin l'agression, ça va être assez facile. En plus, on va booster au maximum le cra. Voilà, ça va être très 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 vite joué à mon avis. Alors là, le combat est presque terminé. Donc après ce combat-là, on va en fait tout de suite utiliser une popo, puisque en fait il y a plein de gens spectateurs qui nous regardent. Et donc on va se faire défoncer si jamais on n'utilise pas de popo. Et en plus, le mec, il est en panoplie blob, donc il y a quand même des items blob à avoir. Caracoiffe, tout ça. Donc on va voir ce que j'ai droppé, mais après les potions. Moi, j'ai des potions directement là, comme ça j'ai plus qu'à appuyer sur la touche 2 en fait dès que le combat est terminé. Donc moi je suis prêt pour les popos et puis après peut-être qu'on y retournera, mais voilà, ça fait déjà une première agression, je suis bien content, surtout que le mec il a des bons stuff. Donc ça va être assez sympa, je vais laisser là jusqu'au bout. Donc ce qu'on va faire, c'est que ouais, on fait ça. J'utilise la popo, puis après on regarde ce que j'ai droppé en truc, on essaye de se dépêcher. On a 4 secondes après l'agression pour utiliser une potion. Après on peut se faire agresser. Voilà, là c'est terminé. Je suis prêt de chez prêt, méga stress. Attention. Hop. Voilà. Il y a des drops. J'utilise la potion. Voilà. Et donc, on regarde ce que j'ai chopé. Ha! J'ai la caracoiffe! Blop, griotte et caracoiffe. C'est trop trop bien. Donc du coup, si je fais le tour, j'ai dû gagner pas mal d'XP parce que je suis passé directement à 51. Donc j'ai la caracoiffe, les blobs griotte, potion d'invocateur percepteur, puis peut-être quelques ressources. Mais ça, c'est génial ça. Et la caracoiffe, je sais pas combien ça vaut, mais ça doit valoir bien bien cher, plus les blobs, donc je vais les mettre tout de suite en banque. Et je passe 51. Alors du coup, la deuxième aggro, ça s'est un petit peu moins bien passé, c'est nous qui nous sommes fait avoir. Donc là, on s'est fait aggro par... Non! Du coup, vous avez pas pu voir.
par un Yop 140, non, par un Eka 144, etc. et pas mal d'autres persos, dont deux Osamodes à niveau 100. Du coup, pour l'instant, il va falloir que je recommence ce perso-là. Mais du coup, en XP x6, je vais vite retourner 50, ça va pas être le souci. Et niveau Kama, je suis bien aussi, donc il n'y a pas de, y a pas de problème, ça va aller très très vite. Et du coup, on continuera de faire des aggros. Donc c'est vrai que j'ai perdu mon stuff, j'ai pas fait de bénéf sur cette vidéo. Par contre, j'ai eu la Karakoa, fait des bottes. Blob griotte, donc c'est déjà pas trop mal, et je suis bien content déjà d'avoir gagné ma première aggro. Et bon, j'ai perdu la deuxième, mais c'est pas très très grave, on verra ça un peu plus tard. Bon, bah merci à tous d'avoir suivi du coup cette petite vidéo, hein, vraiment pas longue, et on se retrouvera très bientôt pour la suite des agressions sur le serveur héroïque.